Toute la côte ouest du Portugal est claquée par les vagues immenses et célèbres de l'Atlantique. De Sagres à Sines, j'ai roulé de plage en plage, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, à la rencontre des surfeurs qui viennent du monde entier se mesurer aux vagues les plus hautes du monde, comme à Nazaré. Le surf est l'une des plus grandes sources de joie au monde et j'ai voulu savoir pourquoi. It causes everything for me to slow right down and it's like nothing else matters and I find that's amazing and it lasts for about, on a good wave, it lasts for about 3 days after and it's just, that's what gives me joy. That's why I love it so much, yeah. For me, the most important thing in surf is the energy, and when the waves are strong, is that you feel that you are alive. This is for me what is more important in surf. When I surf, I fear the ocean so much, and I get washed 1,000 times, and I think what's the meaning of all this? But then you catch just one wave, and then it makes you go out again 1,000 times and being washed and being cold and doing all the work with the wetsuits and the boards just for that one time, because you experience pure happiness of being in one with this great power that the wave is. Surfing the wave, like riding the wave, is the same as, you know, saying yes to life. Also, you ride the wave, you just say yes. I'm on a surf trip with my sister. We bought this van in December and we built it on our own. And then we started our trip like 4 months ago and we still have a month and a half and we probably will go next to Morocco. Yeah, that will be the end of the trip. Le fait de passer comme des voyageurs dans cette vie et d'essayer d'y donner du sens, pour moi c'est très important. Donc je dirais que l'équilibre est une notion que j'aime bien, d'ailleurs qu'on retrouve en surf. On est en équilibre, on est sur une énergie, une onde qui est celle d'une vague et qui nous donne déjà énormément, qui passe depuis nos pieds jusqu'à notre cortex et le cuir chevelu. Le surf est bien plus qu'un sport, c'est une philosophie de vie. C'est accepter d'être plus petit que la nature et jouer avec. C'est transformer l'énergie de la menace pour en faire un tremplin vers la joie. Au lieu de résister à l'obstacle, il s'agit de se lever dedans pour en tirer toute la force. C'est apprendre la patience, à boire 1000 fois la tasse avant d'embrasser la vague avec qui nous avions rendez-vous pour la vie.